السوداني بامبارا السودان لا إله السودان يا إما أنا السودان بامبارا السودان يا إما Tous les après-midi, un groupe de musiciens et de danseurs se produit sur la grande place de Marrakech en échange de quelques dirhams. Pour les habitants et les touristes, c'est un simple divertissement de rue, pittoresque et familier. Mais au-delà des apparences, se cache une réalité plus complexe, plus secrète. Celle d'une communauté dont l'origine remonte au temps de l'esclavage, lorsque les grandes caravanes parties d'Afrique drainaient vers le Maroc des populations captives originaires du Sahel. Bien que métissés et islamisés, leurs descendants ont gardé la mémoire de leurs racines africaines. Ils sont regroupés au sein d'une des confréries les plus fascinantes du Maroc, les Gnawa. Leur chant, leur danse et leur connaissance des génies qui troublent les hommes leur ont à juste titre donner une réputation de guérisseur. Faire l'aumône aux Gnawa en échange de leur bénédiction débonnaire est une manière de s'attirer la bienveillance des génies. Ahmed Bagbou est un maître de musique Gnawa, un Mallem, l'un des plus grands du Maroc, comme son père avant lui. Quant à sa mère, elle était une voyante réputée, une Mokadma, et son grand-père, un prêtre de la confrérie. C'est son grand-père qui l'initie dès l'âge de 6 ans aux danses avec les génies. Seul et souvent en cachette, il apprend à jouer du gumbri, la guitare tambour à trois cordes, qui est l'instrument central du culte Gnawa. Bien que d'un naturel timide, Ahmed s'impose rapidement auprès des initiés qui le sollicitent souvent pour mener les danses de possession lors des cérémonies Gnawa, les lilas. Salam alaikum. Allah.
Une lila a été commandée à Ahmed dans la ville de Tamsloth, proche de Marrakech. Avant de s'y rendre, il doit régler quelques détails de la fête avec son vieux complice Baalal, un maître des carquebas. Baalal était boulanger dans sa jeunesse avant de devenir musicien professionnel. Les jeunes musiciens le considèrent comme un guide. Il y a quelques années, Baalal est sorti provisoirement du cercle traditionnel de ses activités en participant à des tournées à travers l'Europe avec le groupe d'Ahmed. Principal bénéfice de cette expérience de la scène moderne pour cet homme sage et modeste, l'achat d'une bicyclette et d'un dentier, ainsi que la construction de sa maison, le grand œuvre de sa vie, qu'il poursuit patiemment, étage après étage, en glanant quotidiennement quelques dirhams sur la grande place de Marrakech. Pour la cérémonie qu'on lui a commandée, Ahmed doit acheter des encens. Chez les Gnawa, ils servent de nourriture rituelle aux génies et sont au nombre de 7, comme les 7 couleurs emblématiques des génies. 4 sont principalement utilisées. L'encens noir pour les génies africains, l'encens blanc pour les génies blancs, bleus et verts, le bois de santal pour les génies multicolores, la myrrhe de couleur jaune pour les génies jaunes. La fumée de l'encens servira aussi à consacrer les objets nécessaires au culte. Instruments de musique, ballots de robes et de foulards aux couleurs des génies destinés à recouvrir les possédés, bâtons et nourriture rituelle. Dès leur plus jeune âge, les musiciens gnawa subissent une longue initiation qui commence par l'apprentissage des carquebas.
Ces claquettes de fer, dont les couples en demi-sphère symbolisent les reins et les testicules. Peu à peu, en observant leurs aînés, les jeunes initiés mémorisent les rythmes, les chants et les danses qui accompagnent les lilas. Les plus doués passent ensuite au tambour et seuls quelques élus apprendront le gumbri pour mener les danses des génies. Comme tous les ans, les femmes de cette maison, des initiés gnawa regroupés autour d'une mokalma, invitent le groupe d'Ahmed pour animer leur grande lila. C'est pour elles une obligation qui leur évite de retomber malades comme avant leur initiation. Cette longue pratique a créé des liens étroits entre les femmes et les musiciens, renforcés par leur familiarité partagée avec le peuple des génies. عندك
Après avoir longuement marchandé son prix, un rituel d'échange de salive et de paroles sans lequel aucun commerce fécond entre êtres humains ne peut se réaliser, Ahmed emmène un bélier pour le sacrifice d'ouverture de la lila. Comme le bouc, la vache et les poulets, sacrifiés en d'autres circonstances, le bélier servira de nourriture commune aux génies et aux hommes. Les femmes saluent l'arrivée du bélier dans la maison par une louange au prophète Mohammed. Tout le rituel Gnawa se déroule sous les auspices de l'islam, qui a su, plus que d'autres religions, intégrer les antiques cosmogonies africaines. La bénédiction d'Allah et de son prophète Mohammed est donc souvent invoquée tout au long de la fête. On sort les ballots de tissu et de robes aux couleurs des génies, ainsi que les bâtons de pouvoir de la Mokadma, la voyante. Habitée par ces génies, la Mokadma préside le sacrifice. Cosmique, les Gnawa font d'abord leurs offrandes au cercle des hommes et aux quatre points cardinaux. Ils perpétuent ainsi un système d'orientation présent dans toute l'Afrique et un peu partout dans le monde. Après l'encens, sont distribués le lait, symbole de la fécondité, les dattes, symbole du sang, et l'eau de fleur d'oranger qui évoque l'âme des vivants et des morts. Thank you.
dernier soupir du bélier et le ruissellement de son sang ouvrent la voie vers le monde de l'invisible et mettent en communion les vivants et les morts dans le partage de la nourriture consacrée, celle du foie du bélier, puis de sa chair. À ce festin des hommes se mêle symboliquement le monde d'en bas, arrosé par le sang, et le monde d'en haut, vers lequel s'élève le dernier souffle de l'animal sacrifié. Dans leur chant, les musiciens répètent l'invocation Lafo, la demande de guérison et de pardon. Dans la tradition gnaoui, chaque génie correspond à l'une des sept composantes matérielles et spirituelles de l'homme et participe au grand courant qui régisse le monde. Tous, bienfaisants ou malfaisants, se manifestent au quotidien, en particulier à travers les personnes qu'ils possèdent. Lorsqu'un génie jette son dévolu sur quelqu'un, les débuts de la possession se manifestent toujours par une succession de malaises ou de malchances qu'il faut rapidement conjurer en consultant une voyante. On peut être protégé par un génie par le seul effet de l'héritage d'une alliance familiale ou au contraire, en être la victime parce qu'on lui a manqué de respect. Grazie amici. Ma chi ci sei qui? Bâton de Sidi Moussa, le génie des eaux, Saïd chasse et pêche les âmes de la terre, de la mer et du ciel. Dans cette partie de la lila, le travail des musiciens consiste à purifier l'espace de la cérémonie et l'espace intérieur des membres de la communauté présente. Pour cela, ils invoquent leurs ancêtres africains, dansent, suent, plaisantent. La chaleur et la légèreté provoquées par ce divertissement sacré sont les ingrédients indispensables au bon déroulement de la fête. Initiés et musiciens sont donc attentifs à ce que chacun soit bien installé, qu'il ait à boire et à manger à satiété.
évoque les ancêtres africains des ethnies Fulani, Bambara et Barma pour qu'ils président eux aussi à la cérémonie avec les sept saints de Marrakech et les génies des quatre points cardinaux. Étancher notre soif, apporter de l'argent, encore un peu. C'est au grand maître Gnawa du passé que s'adresse cette prière. Les vivants ne peuvent rien espérer sans l'aide des morts. Allah, 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 All
appeler les habitants du monde d'en bas. Ils forment un cercle destiné à accueillir les génies et à les contenir tant que l'espace de la cérémonie ne leur est pas définitivement ouvert. L'heure est venue de sortir les tambours et d'attirer les derniers génies qui n'ont pas encore répondu à l'appel des chants et des danses. Les musiciens et les hommes sortent de la maison et attendent à l'extérieur un groupe de jeunes vierges porteuses de lumière. Les roulements des tambours évoquent l'explosion qui créa le monde. La procession des jeunes filles s'inspire du cérémonial du mariage traditionnel quand l'époux attend à l'extérieur de la maison qu'on lui apporte la lumière avant de rejoindre sa promise. Le cercle des humains est à nouveau consacré. Le mariage entre le visible et l'invisible va être célébré. Tous peuvent pénétrer dans la maison. Deux compagnes de la Mokadma franchissent le seuil en marchant à reculons, car à la manière d'un miroir, le monde de l'invisible où nous pénétrons maintenant est le reflet inversé du monde du visible.
Leïla est aussi un rituel de fécondation, une quête d'abondance. L'argent qui circule fertilisera le sol, comme la pluie, et arrondira le ventre des femmes, comme le sperme. À l'islam, les génies vont bientôt répondre en bon ordre à l'appel des gnawa, couleur par couleur. Pour les jeunes initiés, la possession se manifeste d'abord par des phénomènes de transe incontrôlés, qui se transforment au fil des ans en véritable danse. L'imitation des anciens et la familiarité avec les génies suffisent à cet apprentissage. L'initiation est vécue par le novice comme un voyage intérieur accompagné par l'ensemble de la communauté. Ce cheminement spirituel est le trésor caché des descendants d'esclaves, l'héritage immatériel qu'ils portent en eux-mêmes, planté entre la chair et l'os.
La longue traversée du pays des morts, la lila s'achève par un appel au génie jaune du miel et du soleil retrouvé. On fête ainsi le retour à la vie, qui a la douceur du sucré, par un divertissement dansé auquel tous les vivants participent. السوداني بامبارا السوداني أيما السوداني أيما أنا السوداني بامبارا